Épitaphe effacée lue. Ok. Attendez, je vais me mettre un peu plus à l'abri là parce que. Ouh. Ah ouais, c'est beaucoup plus sportif, on va dire. Beaucoup, beaucoup plus sportif. Bon, lisons cette quête. Une tablette est encastrée dans le sol, près d'un socle d'armure brisée. Les runes sur l'épitaphe vous font penser qu'il devrait s'agir d'un ancien guerrier. À n'en pas douter, Maldraxxus honore l'histoire de ceux qui ont remporté de fabuleuses victoires. Il semble y avoir d'autres monuments similaires tout au long de la tranchée. Ils nous permettront peut-être d'en apprendre davantage sur les habitants de ce royaume. Ok, très bien. Et donc, il y a trois épitaphes à lire. Non, on va plutôt utiliser le mammouth. Parce que je me fais moins désarçonner sur le mammouth, en fait. Bon, je vous laisserai mettre pause et lire, hein, c'est en anglais. Puis je suis en plein combat. Je peux pas lire l'épitaphe. Allez. L'Octa. Au nom du prix. Même ici. Ok, d'accord. Ces futurs recrues recherchent un moyen de prouver leur valeur. Nous allons leur en donner l'occasion. Le spectre connu sous le nom de Malphis. Et renforcer, s'est renforcé en consommant nos réserves d'anima. En ces temps de pénurie, nous ne pouvons nous permettre de perdre cette précieuse ressource. La menace qu'il représente doit être éradiquée. Sur le champ, utilisez ce corps pour appeler les charognards que nous avons recrutés. Nous allons voir s'ils sont prêts à nous donner. À tout donner pour défendre notre bannière. Et il est là. Super. Alors ça, en plus, on nous donne une armée. Ça me plaît beaucoup.
Pas mal ça, pas mal. Ah, il prend cher, c'est bon ça. Pour l'honneur de l'islam. J'ai essayé votre récompense. De la merde et... De la merde. Ah non! Le corps de guerre, il est cool. Lui, il est cool. Ok. Donc, on va prendre ça. Force et honneur. Daka fait un geste en direction du ciel. Regardez, mortel, voilà la nécropole du Margrave Crexus, chef de la maison des élus. J'ai l'insigne honneur de le servir en tant que baronne. Gagnons notre forteresse. Pouvons-nous y rassembler nos forces et nous préparer à la prochaine bataille? Pour que les élus combattent avec force et honneur, nous allons écraser les traîtres et mettre fin à la guerre. Bon, je sais pas trop où je vais là. Bon, va falloir que je sorte de là de toute façon. Donc on va essayer cette route. Pas sûr. Non, pas sûr du tout même. Au rapport. Cette forge est très ancienne, elle date d'avant l'occupation de la Maldraxxus. Ça fait des années qu'elle n'a pas servi, mais on s'en contentera. Ouais, ok, d'accord. Tant qu'il y a de l'anima, je suppose. Pour les élus. Bon, ok. Bon. Apparemment, faut que j'aille au nord. Venez. Il n'y a qu'un moyen d'atteindre la maison des élus. Bah, dis-moi. La guerre est imminente et elle nous donnera la victoire. Ok. Mes élus, nos ennemis passent à l'action. La guerre est imminente et elle nous donnera la victoire. Il est le plus fort d'entre nous. Mais attention, parlez avec respect, mais pas avec crainte. Ça devrait le faire. Vous avez bien fait de lui permettre d'échapper à la reine. Nous ne pouvions pas l'abandonner à nos ennemis. Je l'ai vu faire preuve de force et de solidité, des qualités qui nous seront précieuses en ces heures difficiles. Effectivement. Voyez de quoi notre invité est capable et rejoignez-moi à la nécropole. Guerre à livrer. Tronka. Cool, une cinématique. Seuls les plus forts survivent. De mon vivant, j'étais Draka, du clan Loup de Givre. Une guerrière qui sacrifia tout. Pour
protéger l'essentiel. Mais une guerrière reste une guerrière. Maldraxxus, là où les armées des cinq maisons travaillaient autrefois ensemble, à protéger le royaume des morts. J'y servais la Maison des Yeux. Une association bien étrange pour l'âme d'une guerrière. Recommence. J'ai dû apprendre leur technique. Plus vite! Recommence! Mais j'ai fini par apprécier cette vie dans l'au-delà. La maison de la peste est en ruine. Il n'en reste plus que quatre. Comment ont-ils pu se montrer aussi négligents? Peut-être ne l'ont-ils pas été. Quoi qu'il advienne, Maldraxxus ne doit pas dévier de son but. Car si nous manquons à notre devoir, c'est toute l'ombre terre qui disparaîtra. Je crois que la Maison des Élus nous soutient encore. C'est pourquoi tu dois livrer ceci à Margrave Crexus. Maintenant, va. Sois très prudente, Draka. Mes frères, j'ai une mission des plus urgentes. Monseigneur! Vite! Il y a peut-être des survivants! Jamais de tels Urgora ne m'auraient empêché de vous apporter l'ultime message de Monseigneur. Les épreuves de ce genre peuvent nous briser ou nous rendre plus forts. Voici la clé du salut de Maldraxxus. Pardonnez-moi, Margrave. Il ne m'a pas confié de clé. Une guerrière inébranlable, qui a suivi la voie des espions, est la clé de bien des choses. Suis-moi, nos ennemis frapperont bientôt. Il faut nous préparer. Je suis Draka, autrefois membre du clan Loup de Givre. Aujourd'hui, baronne de la Maison des Élus. Mais avant tout, protectrice de Maldraxxus. Elle est badass. Elle est badass. Ok, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, quasiment aussi badass que Sylvanas. Hein. Ah, on a une concurrente à Sylvanas, là. C'est... waouh. Ah oui, la violence, quoi. Je suis toujours paré au combat. Eh ben, respect, hein. Wouh. La force nous vient du cœur. Est-ce que j'ai... Toute défaite n'est qu'une nouvelle leçon. Ouais, pas très loin. Est-ce que je peux... Ouais, zoomer un peu. J'ai un fly là. J'ai pas un fly plus proche.
On va juste prendre cette quête. Comment se passent les combats? Puis après, je vais faire une pause. Là, voilà, ça fait 3 heures que je tourne. Regardez autour de vous, MDG Normand, cette armée et tout ce qu'il reste pour faire face à la perfidie des deux autres maisons. Je vais devoir m'entretenir avec le margrave. Excusez-moi, est-ce que j'ai réactivé mon micro? Oui. Je vais devoir m'entretenir avec le margrave pour peaufiner notre plan de bataille. La guerre ne tardera pas à éclater. Je vous conseille d'ailleurs de vous préparer au combat, à venir avec le reste de nos troupes. Nous devons pouvoir compter sur nos soldats. Allez parler au baron Viraz. Il a remporté de nombreuses victoires pour Maldraxxus et nous aurons bientôt besoin de lui pour combattre nos anciens alliés, je le crains. Fort, ne faites pas attendre, Viraz. La patience n'est pas son fort. Ok. Cependant, je voudrais. Je vais aller chercher ce fly-là avant de faire ma pause. Et j'irai voir donc cette personne plus tard. Ok. Bon, j'ai un peu de route à faire. Encore 200 mètres. Ok. Désignez la cible. Comme ça, on peut revenir. On peut même aller retourner directement au bastion. On peut vraiment naviguer entre les territoires comme on le veut avec les Luttez flys. pour gagner. Ça, c'est une bonne chose. Mine de rien, c'est une bonne chose. Mais là, avec Darka, on nous a présenté quand même un personnage qui. Ouais, hein, qui sort de l'ordinaire, hein, qui envoie du lourd, hein. Donc je suis agréablement surpris, mais ouais, je sens que Maldraxxus va beaucoup me plaire, va beaucoup plus me plaire que le Bastion. Regardez, on se croirait dans les îles brisées, un mélange entre les îles brisées et Ombrelune. Vous savez que Ombrelune, j'adore. En Outre-Terre. Soldats, le combat fera bientôt rage. Préparez les défenses. Parlez donc. Oui, chef. Vous avez vos ordres.
Des lâches doublés de traîtres. Ils regretteront de défier la puissance des élus. Je vous accorde une seconde. Allez couvrir de gloire les élus. Bien. Nous regarderons à ces quêtes... De toute façon, là je ferme. À votre poste. Ouais, elles sont indiquées sur la carte. Donc je reviendrai ici... lors de la prochaine session de tournage. Qui devrait avoir lieu demain. Mais là... Hop. Je jouerai ce soir... là, je vais faire une pause. Et je jouerai ce soir... je referai quelques donjons. Je compte... peut-être aller faire une razzia des donjons de Pandaric. Pour aller chercher des loots et vendre à l'HV. Bah, c'est les petites ventes, hein. C'est pas... mais bon, c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Bon. Votre or est le bienvenu. Nous obtiendrons justice. Que cherchez-vous ? Non, il était bien, lui, je crois. Non, lui. Il ne faut pas traîner. Non, ce bijou-là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il est mieux que ça. Il augmente mon endurance, donc ça, c'est bien. Ça, c'est de la... Ça, c'est mieux. Ça, c'est nul. Et ça, c'est nul. J'ai des objets uniques au monde. Ça, je devrais pas le vendre. Jorel Haran. $66,000. Allez, à plus tard. Bien, donc, nous nous retrouverons une nouvelle fois. Un peu en retard, je suis désolé pour ce début de record, mais j'ai eu beaucoup de mal à charger des éléments du jeu. Je vous écoute, soldat. Alors, les collines ont des yeux. Les autres maisons n'ont pas encore lancé d'assaut à grande échelle, mais ne prenez pas leur lâcheté pour de l'incompétence. Tout bon stratège sait que le pouvoir réside dans l'information. Et je soupçonne nos ennemis d'avoir envoyé des agents pour infiltrer nos rangs. Prenez l'un de mes molosses, il saura flairer les espions. Si vous en repérez, éliminez-les sur le champ. Repérez les espions à l'aide du chasse-caveau élu. Ok. La clé de la victoire est la communication. Vous pouvez être le plus grand des stratèges. Encore faut-il que vos instructions parviennent à vos troupes. Il est malin, ce mec. Il est... Il est bien, ce mec. Apportez mes ordres à l'invocatrice Perex, au sergent instructeur Telis et au sécuteur Mevix. Et ne traînez pas, chaque instant perdu est une opportunité laissée à nos ennemis. Allez, tunnel, recrue, c'est la guerre. Retournez à votre poste.
Il me plaît, ce mec. C'est pas qu'un tas de muscles. Il en a aussi dans la cervelle. Ça me plaît beaucoup. Non, c'est pas là. Jadis, l'animal... Encore des ordres ? Qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Invoquer Mortanis ? Avec la pénurie ? Ils n'y pensent pas ? Oh, soldat, allez dire au baron que s'il veut sa garde d'os, il va falloir qu'il lâche de l'amour. À vos ordres ! Ok. J'essaie de voir hein, pour les espions. Ah oh bah là, je sais même pas où est passé le chien là. Bon. Allez plus fort, pas de quartier. Désignez la cible. Luttez pour gagner. Soldats, le perdant sera de corvée de minerais pour la forge. Allez ! Ne faiblissez pas. Oh, bordel, j'ai horreur des PNJ qui se déplacent. Aldraxus vous honore. Oh, Kasli. Quelque chose à signaler. Les ordres ont changé. Direction l'ouest. En avant, marche. Je suis prêt à me battre. Seul Aldraxus sera à nous. Qu'attendez-vous de moi ?
Oui, je triche un petit peu, hein. Il y a... Quand on s'éloigne trop de la zone, il y a un indicateur qui est un petit peu plus précis en fait. Ce qui permet un petit peu de, voilà, d'avoir une indication supplémentaire que normalement le jeu nous donne pas. Enfin bref. Hop. Bah en vrai, on va juste regarder. Au rapport! Tous! Au secret! Je l'ai vu! Bah, y a pas de secret, c'est juste une armée qui a l'air d'être plutôt bien organisée, c'est tout. Hein. Quels sont les ordres? Pour les Aldraxus sera à nous. Il me reste encore 3 tuer. Au rapport. L'UFO secret. Je l'ai vu. Là, y a rien. Désigné un vent secret. Je l'ai vu. Je suis prête à me battre. Que vos secrets, je l'ai vu. Ah, c'est d'accord, c'est les fournitures de forgeron. Personne ne peut me battre. Un corps tombera toujours, mais la gloire est éternelle. Ah oui, je suis à 71 000 maintenant. Hier soir, j'ai fait un peu de business. Bon, j'ai pas gagné beaucoup hier soir. J'ai gagné 4 000, truc comme ça. Je crois qu'on s'était arrêté. J'étais à 66 000. Je suis à 71 000. Ouais, j'ai fait 5 000 quoi. Faudrait que je fasse un tour à Zuldazar, voir si la monture que je voulais, elle a pas baissé de prix. Je vous accorde une seconde. Vous avez vos ordres.
Bien joué, Recu, mais ce n'est qu'un début. Vous aurez bien d'autres tâches à accomplir. J'ai affaire ici. Allez donc voir la baronne Draka. Elle a sûrement besoin de votre aide. Je garderai un œil ouvert tout au long du conflit. Retournez voir la baronne Draka. Allez, bon travail. Dites à Draka que nous sommes parés au combat. Franchement, elle me plaît cette faction. Elle me plaît beaucoup plus que la faction un peu sectaire du Bastion. Hein. Maldraxxus me plaît beaucoup plus, même dans l'esprit, je veux dire. Bon, parce que voilà, c'est plus un peu barbare, plus infernal ou ce genre de choses. Non, vraiment dans l'esprit. Dans l'esprit de... Voilà, de vouloir se battre, mais sans dogme de... La voix, notre pureté, ce genre de conneries, quoi. L'Octa, seuls les plus forts. Le margrave Crexus croit en votre potentiel. Il est ravi de pouvoir compter sur votre soutien. Mais vous allez devoir vous montrer digne de sa confiance. Il existe une pierre entourée de magma. Oh, excusez-moi, c'est pas vrai. Au centre de notre citadelle, pour l'atteindre, il faut savoir faire preuve à la fois de robustesse et d'endurance. Seuls nos soldats les plus aguerris osent se confronter à cette épreuve, mais le margrave Crexus aimerait vous voir essayer, montrez-lui ce que vous valez. Ah! Et niveau stuff, on commence à discuter là. Elle est très bien cette ceinture. Le Prima nous a laissé la pierre en défi. Vous devez arriver à elle pour prouver votre force. D'accord, je vois le genre. Sera honoré le bras. La grande question, c'est comment je remonte? Un vulpérin derrière moi. On va voir comment il se débrouille lui.
crainte comme lui. C'est bon. C'est juste, hein. Quoi? Attendez, quoi? Oh merde, il y avait autre chose à faire. Ah, je suis deg, il y avait autre chose à faire. Je dois recommencer. Oh merde. Bon, on sait qu'on peut revenir à une vache près. Faut juste que je régène, donc on va attendre juste une seconde que je régène. Ah non, je les ai vendus, les bandages. Je me suis dit que ça servait à rien et finalement, ça me serait peut-être utile. Bon. Allez, let's go. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Putain, mais oui. C'est ça que j'aurais dû faire. Let's go. Hein? La pierre. Ah d'accord, ok. Ouf. J'ai pas compris que c'était une TP. Sang et tonnerre. Sans cette flamme a été forgée par le Prima. Combien de temps est-ce qu'elle est restée cachée dans cette pierre? Bon, je ferai une transmo sur cette ceinture. Comment se passent les combats? Alors, de toutes les âmes ayant atteint cette pierre, vous êtes la seule à avoir découvert sa véritable raison d'être. Je n'ai rien d'une zélote, mais il y a clairement un message plus profond. Il serait bon de poursuivre vos recherches. Allez trouver Hermir à sa forge. C'est la forge d'os la plus réputée de tout Maldraxxus et l'unique apprentie encore vivante du Prima. Elle saura vous conseiller. Ok.
La Hermie était l'une des apprenties du Primat. Elle pourra peut-être nous en dire plus sur ce cas. Bon, je regarde beaucoup la carte, hein, mais c'est un nouveau territoire, on connaît pas bien. C'est un peu obligé, quoi. Qu'est-ce que vous avez encore cassé? Pour les réparations, voyez ailleurs. Eh oh, qu'est-ce que j'ai encore cassé? Non. Parlez ou déguerpissez. Ah! Vous ne voyez pas que je travaille? Qu'est-ce que... C'est impossible. Alors, c'était ça la source de cette agitation. Une lame et un message du Primat aux personnes. Quoi qu'il en soit, sans manche, une lame ne vaut pas grand-chose. J'ai du pain sur la planche. Dites pas qu'on va obtenir une sorte de nouvelle arme prodigieuse. Je peux vous forger quelque chose ? Ok. Et le chat qui vient m'emmerder. Bon. Pour forger une lame puissante, il faut des matériaux puissants. Je sais exactement ce dont nous avons besoin. Nos soldats ont récemment mis la main sur une monstruosité entraînée par les assemblages du côté de la forteresse Viraz. Viraz est persuadé que l'on peut siphonner son intelligence. Baliverne, la volonté du Primat, l'emporte sur les velléités d'un simple baron. Les os de cette bête feraient une garde magnifique pour cette lame. Charge à vous de m'en rapporter un. Ok. Le Primat a forgé une lame de bien belle qualité, sauf qu'en l'état, elle ne vous sera d'aucune utilité, mais vous avez de la chance. Je suis tout à fait capable de terminer ce qu'il a commencé. Cela dit, il va me falloir certains matériaux. Les autres élus sont trop préoccupés par leur entraînement au combat pour m'aider à la forge, bien qu'il leur faille toujours plus d'armes et d'armures. C'est là que vous intervenez. Vous voulez une nouvelle lame? Eh bien, vous allez devoir la mériter. Récupérez 40 lanières de peau palpitante sur les masses hypertrophiées. Ok. Alors ça, patron, je sens... Valdraxus, il n'y a rien de gratuit. Tout doit se mériter. Ces composants ne font pas exception. Ok. On va commencer par ça, d'abord. Ouais, d'accord, ok. Ah, mais c'est juste ça? D'accord, bon, on le fera au retour, ça. Donc,
encore. Et maintenant, on va récupérer nos 40 lanières de peau. J'espère qu'on récupère pas. Ah d'accord, ok. Pourquoi je me suis dit que c'était qu'une simple quête de récolte, moi ? Bon, ok, la bonne nouvelle, c'est qu'on en récupère plusieurs par cadavre. On va donc pas perdre beaucoup de temps. Attendez, je regarde juste un truc sur mon téléphone.